Bienvenue à cette séance enseignement-apprentissage. Je suis Madame Bendega Alexandre Julia. Nous voici rendus à une nouvelle leçon. Et bien évidemment, nous allons commencer par la correction des exercices de la séance précédente. Alors, exercice 1, soit les images suivantes que nous observons à l'écran. On nous demande d'identifier et nommer chacune des affections représentées. Deuxièmement, ok. On va donc les nommer sur le document. Nous avons le A. Ici, on voit que on a un cœur et on a une partie de ce cœur qui est affectée, qui n'est plus irriguée. Parce qu'on voit bien là, dans cette zone qu'on a sélectionnée, que la terre est bloquée et le sang n'y arrive plus. Et donc, l'infarctus du myocarde. Ici, nous avons bien évidemment l'encéphale, le cerveau. Et on voit qu'il y a une partie de ce cerveau, dans le cerveau, où la terre est bouchée par les dépôts de graisse. Et là, on voit qu'il s'agit d'un AVC. Ici, on a les dépôts de graisse qui se font progressivement sur la paroi de la terre, c'est l'athérosclérose. Et enfin, nous avons là les varices. Identifier et nommer chacune des affections représentées, donc, A, infarctus du myocarde, B, athérosclérose, C, AVC, D, varice. Deuxième question, donner une caractéristique principale pour chacune d'elles. Alors, l'infarctus se manifeste par une douleur à la poitrine, l'athérosclérose par l'obstruction des artères, l'AVC, il y a plusieurs signes, on a choisi, ça peut être la perte du langage, mais généralement, on a dit que l'AVC, c'est lorsque une artère s'est bouchée dans le cerveau. Ensuite, nous avons les varices qui est le gonflement des veines des membres inférieurs. Préciser un moyen de lutte pour chaque cas. Dans le cas de l'infarctus, de l'athérosclérose et de l'AVC, les moyens de lutte sont communs. Il faut avoir une alimentation équilibrée, qui n'est pas riche en graisse, qui n'est pas riche en sucre, qui n'est pas riche en sel. Il faut pratiquer une activité physique régulière, il faut éviter le stress. Et dans le cas des varices, il faut éviter la station debout prolongée. Exercice 2. Fatou est une femme âgée de 38 ans. Elle mesure 1,60 m, c'est-à-dire 160 cm, et pèse 98 kg. Elle ne pratique aucune activité physique. Elle est malade et se rend chez le médecin. La prise de sa tension artérielle monte, elle est de 15-10. Sachant que la limite des valeurs maximales de la tension est de 14,5-9, pour la tranche d'âge 30-40 ans, indique la maladie cardiovasculaire dont souffre Fatou, justifie ta réponse. Alors, il s'agit ici de l'hypertension. Nous avons vu que la tension de Fatou est supérieure à 14,5-9, parce qu'on a dit que c'est de 15-10, qui est la valeur normale pour les adultes de sa tranche d'âge. Deuxième question, indique deux causes possibles de sa maladie. Lorsque nous avons lu le texte, nous avons vu que Fatou a 1,60 m pour 98 kg. Ça veut dire qu'elle est en surpoids. On a dit qu'elle ne pratique aucune activité physique. Donc, ces deux éléments peuvent être les causes probables de sa maladie. Propose deux conseils à Fatou pour éviter cette maladie. Équilibrer son alimentation afin de réguler son poids. Pratiquer une activité physique modérée et régulière. Exercice 3. En utilisant les chiffres et les lettres, relie la maladie à sa cause. Exemple 6F. Quand on voit hypotension, on lit de l'autre côté, on a la mort d'une partie du tissu du cœur, ce n'est pas ça, l'accumulation de graisse non plus, vaisseau sanguin bouché non plus, l'obésité non plus. Donc, c'est une alimentation pauvre en sel peut entraîner l'hypotension. Infarctus du myocarde, c'est la mort d'une partie du tissu du cœur. L'hypertension artérielle, c'est dû à quoi? À l'accumulation de graisse dans la paroi des artères. L'athérosclérose, c'est lorsque les vaisseaux sanguins sont bouchés. Et maintenant, la thrombose, pardon, on va se reprendre un peu. Je me suis amené les pédales. L'athérosclérose, plutôt, c'est l'accumulation de graisse sur la paroi des artères. Maintenant, l'hypertension artérielle peut être causée par l'obésité, voilà,
Et maintenant, la thrombose, c'est lorsqu'il y a un vaisseau sanguin qui est bouché. Voilà. C'est exactement ça. Donc, on a 1E, 2A, 3D, 4B et 5C. Voilà. Nous allons donc terminer avec les exercices. Nous commençons une nouvelle séquence ce jour. C'est la séquence 7 qui a pour titre quelques exemples d'endémie. Elle comporte 4 leçons et nous allons commencer avec la première leçon qui est la leçon 24 qui a pour titre le paludisme, cause et manifestation. Cette leçon vous sera présentée suivant le plan qui s'affiche. Nous allons premièrement voir, après avoir fait notre introduction bien évidemment, nous allons voir les causes, nous allons voir les manifestations et ensuite nous allons conclure. Alors, quel est l'objectif de notre leçon? Il s'agit d'identifier les causes et les manifestations du paludisme. À la fin de cette leçon, l'élève sera capable d'identifier les causes et les manifestations du paludisme. Mais avant cela, il est important de se rappeler ce qu'on appelle maladie endémique, maladie épidémique, ou bien faire la nuance, parce que le titre de notre séquence est maladie endémique. De quoi s'agit-il? Lorsque nous regardons le graphique que nous avons en visuel, nous voyons que dans le cas d'une endémie qui est en rouge, la prévalence de la maladie est pratiquement stable dans la population. Et peu importe, n'est-ce pas, la période, c'est une maladie qui est donc présente de manière permanente dans une population. Ça, c'est une endémie. Maintenant, quand on prend le cas d'une contrairement à l'épidémie, vous voyez ici, on a ici début. L'épidémie commence à un moment donné et vous voyez que elle atteint un pic, c'est-à-dire une période où c'est vraiment ça, tout le monde est malade, tout le monde souffre de la même maladie, c'est généralement une maladie contagieuse, ça peut être la grippe, ça peut être comme on a eu récemment le coronavirus. Mais dans le cas du coronavirus, parce que ça s'est étalé, n'est-ce pas, à la surface du monde tout entier, on parlera donc de pandémie. Donc, lorsqu'une épidémie s'étend sur une grande région géographique et s'étend, on peut le dire, à toute la population mondiale, on ne parle plus simplement d'épidémie, mais on parle maintenant de pandémie. Et ça, c'est la nuance. Et à un moment donné, bien évidemment, ça va s'arrêter. Vous voyez que la prévalence va diminuer. Contrairement à une endémie où c'est une maladie qui est présente de manière permanente dans une population. Voilà, c'est ça. Nous poursuivons donc. À l'analyse de notre situation, problème. Alors, nous avons là deux camarades de classe qui se rencontrent et il y a l'un qui salue l'autre. Salut Obé, comment tu vas? Salut Eko, pas très bien. À cause des mangues, tout le monde a le palu à la maison. Alors, sur le chemin de l'école, donc, Eko et Obé ont une petite discussion qui va laisser donc Eko, qui est ton jeune frère, perplexe. Il ne comprend pas comment les mangues peuvent causer le paludisme. Il aimerait aussi connaître les manifestations de cette maladie, car il doute que les membres de la famille Obé souffrent effectivement du paludisme. Quel est donc le problème ici? Ici, il s'agit de savoir quelles sont les causes et les manifestations du paludisme. Première hypothèse, donc, comme l'a dit sa camarade, lorsqu'on suce beaucoup de mangue, ça donne la fièvre. C'est un signe qu'on est atteint du paludisme. Deuxième hypothèse, c'est la piqûre du moustique qui cause le paludisme et cela se manifeste par la fièvre, les maux de tête et on vomit. À la fin de la leçon, nous demandons de vérifier ces différentes hypothèses. Nous commençons donc par notre première partie de leçon qui porte sur les causes du paludisme. Nous avons donc deux documents qui présentent les fautis sanguins. Nous avons le premier document qui est le fautis sanguin d'un homme sain. Qu'est-ce que nous observons? On demande d'observer attentivement les documents, puis nous allons répondre aux questions. Qu'est-ce que nous observons donc sur ce fautis sanguin? Nous avons différentes cellules, n'est-ce pas, qui baignent dans le plasma. Nous avons les leucocytes,
Nous avons les plaquettes et nous avons les hématies qui sont ces cellules qui n'ont pas de noyau là. Nous avons un deuxième document qui nous présente un fauteuil sanguin, cette fois-ci d'une personne qui est atteinte du paludisme. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons de nombreuses hématies. Et ici, nous avons un élément nouveau qui intervient, qui est à l'intérieur d'une hématie. Ici, l'hématie a éclaté. Ici, on voit bien l'élément nouveau qui est à l'intérieur de l'hématie. Et lorsqu'on a agrandi cet élément, on nous dit qu'il s'agit du plasmodium, que voici. Alors, la première question était d'analyser les deux fauteuils sanguins et de relever la différence. Ensuite, de préciser la cellule qui l'infecte et de déduire un qualificatif. Okay. Lorsqu'on a donc analysé les deux fauteuils sanguins comme tout à l'heure, quelle est donc la différence? La différence, comme je le disais, c'est la présence de cet élément nouveau qu'on appelle le plasmodium, qui est dans... Le plasmodium est logé dans les hématies. Normalement, de préciser la cellule qui n'infecte le plasmodium est logé dans les hématies. Et on demande de déduire un qualificatif. Comme c'est un microbe qui vit dans les hématies, on va l'appeler hématozoaire. Hématozoaire, parce que c'est un protozoaire. Vous rappelez que dans les leçons précédentes, nous avons parlé des différents types de micro-organismes, parmi lesquels nous avons le groupe des protozoaires auquel appartient le plasmodium. Et comme c'est un protozoaire qui vit dans les hématies, on va donc l'appeler hématozoaire. Ici, nous avons un troisième document qui nous présente les types de plasmodium qui infectent l'homme. On demande de relever les principales espèces plasmodiales infectant l'homme. Nous avons plasmodium falciparum. Nous avons plasmodium nolesi. Nous avons plasmodium vivax, plasmodium ovale et plasmodium malariae. Ce sont des noms en latin. Nous retenons donc ceci. Le paludisme est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'il sévit en permanence dans une région. Il est causé par un microbe du groupe des protozoaires qu'on appelle le plasmodium. Ce microbe vit dans le sang et parasite les globules rouges ou hématiques. Il est donc un hématozoaire. On va distinguer plusieurs types de plasmodium qui infestent l'homme. Nous avons le plasmodium falciparum, nous avons le plasmodium malariae, nous avons le plasmodium ovale, plasmodium vivax, plasmodium nolesi. Mais il faut noter que le plasmodium falciparum, c'est l'espèce la plus dangereuse et la plus répandue au Cameroun. Nous passons maintenant à la transmission du paludisme. Comment se fait cette transmission? Nous avons vu que c'est le plasmodium qui est responsable du paludisme. Alors, comment est-ce que le plasmodium fait pour se retrouver dans l'organisme de l'homme? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons donc ce document qui présente le mode de transmission de la malaria au paludisme. On nous demande donc d'observer le document et de répondre aux questions. La première question est d'expliquer le mode de transmission de la malaria. Ensuite, de déduire un qualificatif pour le moustique, l'homme et le plasmodium. Lorsque nous observons dans le schéma, nous avons ici une main d'homme. Et nous voyons ici ce moustique qui va piquer la personne. Et ce moustique, on lui a donné un nom qui s'appelle Anopheles femelle. Il vient donc piquer la personne. On dit le moustique infecté qui est porteur du germe plasmodium pique une personne saine. Et lorsque la personne est piquée, elle devient infectée. Et c'est son foie d'abord qui commence par être infecté. Ici, ensuite le foie, ce sont les globules rouges, les hématies qui sont infectées. Et une fois que ce sont les cellules sanguines qui sont infectées, alors lorsque cette personne sera piquée par un autre moustique, ce moustique va s'infecter et il pourra transmettre le plasmodium à une autre personne qui n'est pas malade. Et c'est comme ça que le cycle va se répéter. On demande donc de déduire un qualificatif pour le moustique. Le moustique transporte le germe. Lui-même, il n'est pas malade. On n'a pas vu un moustique qui souffre du paludisme, mais c'est l'homme qui est malade. Alors, le moustique transporte le germe d'un individu sain, d'un individu malade, pardon, à un individu sain. Ça veut dire que le moustique, lui, joue juste le rôle de transporteur. Il est donc appelé ce qu'on appelle un vecteur de transmission.
C'est-à-dire, c'est la courroie de transmission, c'est lui l'agent qui permet de porter le germe d'un individu malade à un individu sain. Maintenant, on demande de qualifier l'homme. L'homme qui reçoit le germe et qui fait la maladie, est-ce qu'on appelle un hôte? C'est-à-dire le réservoir naturel d'un microbe pathogène. Et on demande de qualifier le plasmodium. Le plasmodium, qui est la cause de la maladie, est le germe ou l'agent pathogène. Voilà donc les trois notions qu'il faut développer, qu'il faut retenir, n'est-ce pas, lorsqu'on étudie les maladies. Dans le cas du paludisme, on a un agent pathogène qui est le plasmodium. On a l'hôte, c'est-à-dire celui qui reçoit le microbe qui fait la maladie, qui est l'homme. Et on a un vecteur de transmission ici, qui est la nouvelle femelle. Nous retenons donc que le plasmodium est transmis à l'homme par la piqûre d'un moustique qu'on appelle anophèle femelle. L'anophèle femelle, c'est un moustique hématophage, c'est-à-dire qu'il se nourrit du sang. Et il va donc transmettre le germe d'un malade à un individu sain au cours de ses nombreux repas sanguins. Alors, l'homme qui reçoit le plasmodium et fait la maladie, ce qu'on appelle un hôte, c'est-à-dire le réservoir naturel du germe ou agent pathogène. Et l'agent pathogène du paludisme, c'est le plasmodium, c'est-à-dire le microbe responsable de la maladie. Nous passons maintenant aux manifestations du paludisme. Le document présente les principales manifestations du paludisme. On demande de relever celles-ci. Nous avons donc notre jeune demoiselle ici qui s'est fait piquer par le nombre de moustiques. Première chose, c'est qu'elle est fatiguée. Après la fatigue, nous avons les maux de tête. Nous avons des frissons. Nous avons la fièvre. Il peut arriver que l'individu ait des nausées, qu'il vomisse. Et il y a des courbatures. On a mal au corps. Les articulations font mal. Voilà les principales manifestations du paludisme. Le deuxième document nous présente la variation des pics de fièvre au cours du paludisme. On nous demande d'indiquer comment la fièvre va. On va donc analyser cette courbe. Nous voyons que le premier jour, qui est ici en bleu, on a les premières 24 heures, on a un premier pic de fièvre. Et lorsqu'on regarde ici, en haut, ce sont les hématies. On voit que lorsqu'il y a les pics de fièvre, le microbe a parasité plusieurs hématies et elles ont éclaté, elles sont détruites. La fièvre n'est pas continue. C'est-à-dire que la courbe de température n'est pas stable en une ligne droite. Parce que voici 37 degrés ici. Ce n'est pas stable. Ça monte. Et puis maintenant, la fièvre descend. Et on va attendre encore 48 heures pour observer un nouveau pic de fièvre lorsqu'il y aura également encore destruction des hématies. Et le même procédé va se répéter jusqu'à ce que l'individu guérisse. On se rend donc compte que la fièvre à paludisme n'est pas une fièvre continue. C'est-à-dire que quand vous avez la fièvre, vous n'avez pas la fièvre 40 degrés toute la journée ou bien toute la durée de votre maladie. Non. La fièvre à paludisme est une fièvre qu'on appelle une fièvre intermittente. Il y a des périodes où il y a des pics de fièvre, il y a des périodes où la fièvre va baisser. Et ces différents pics de fièvre, n'est-ce pas, correspondent à la description de nombreuses hématies. Ce que le schéma nous montre. Nous retenons donc que lors du paludisme, la maladie va évoluer généralement en trois phases. Nous avons ce qu'on appelle la phase d'incubation, qui dure de 10 à 15 jours. C'est la période entre la contamination et l'apparition des premiers signes. Lorsque le moustique vous pique, il vous contamine, vous ne tombez pas directement malade. Vous passez un temps où le microbe a le temps de s'installer dans votre organisme, de se multiplier, de se propager avant que vous ne commenciez à faire les premiers signes. Ce qu'on appelle phase d'incubation. Et elle va durer de 10 à 15 jours dans le cas du paludisme. Ensuite, après cette phase d'incubation, il y a ce qu'on appelle la phase d'invasion. Dans cette phase d'invasion, qui est la seconde phase de la maladie, il y a apparition maintenant des symptômes généraux, c'est-à-dire des symptômes qui peuvent être communs à d'autres maladies. Nous avons par exemple les maux de tête, nous avons la nausée, la fatigue généralisée. Ce sont des symptômes qui peuvent être communs à d'autres maladies. Nous avons des courbatures. Parfois, nous avons le gonflement du foie, nous avons la fièvre.
dans beaucoup de maladies, on peut observer ces différents symptômes que je viens de citer. Ce sont des symptômes généraux. En parlant de phase d'invasion. Après la phase d'invasion, nous avons ce qu'on appelle la phase d'état. La phase d'état, c'est la phase pendant laquelle il y a apparition des manifestations spécifiques de la maladie. Dans le cas du paludisme, ce sont les accès fébriles. C'est-à-dire que nous avons donc ce phénomène de fièvre intermittente où on a la fièvre aujourd'hui, par exemple, lundi, et puis on a l'impression qu'on est guéri, mardi, tout va bien, et puis mercredi, on a la fièvre qui recommence encore. Et pendant cette période où on accède fébrile, on a les frissons, parce qu'en même temps, on a la fièvre, en même temps, on frissonne, on a froid. Donc voilà, n'est-ce pas, ces symptômes qui sont spécifiques même au paludisme qui vont donc apparaître pendant la troisième phase, qui est la phase d'état. Il faut donc noter ceci, c'est que les accès de fièvre ne sont pas continus, comme on l'a dit. On parle donc de fièvre intermittente. Et cette fièvre intermittente sera appelée fièvre tierce lorsqu'elle se produit toutes les 48 heures, comme dans le cas du paludisme à Plasmodium falciparum qu'on rencontre beaucoup au Cameroun. Elle peut également être appelée fièvre ouate lorsqu'elle se produit toutes les 72 heures, c'est-à-dire tous les 3 jours. Ça, c'est le cas du paludisme à Plasmodium malariae. Voilà. Donc, nous avons donc terminé avec ce qui concerne la partie des ressources. Nous allons passer maintenant aux exercices d'application. Pour chaque proposition, répondre par vrai ou faux. Première proposition, le parasite responsable du paludisme appartient au groupe des protozoaires. Nous disons que c'est une proposition vraie. Deuxième proposition, le germe responsable du paludisme est transmis à l'homme par une mouche. Nous disons que c'est une proposition fausse. Nous avons vu que c'est transmis par un moustique qu'on appelle anophèle femelle. Les accès de fièvre intermittente sont les symptômes spécifiques du paludisme. Nous disons que c'est une proposition vraie. C'est pas faux, c'est vrai. Les accès de fièvre intermittente sont spécifiques du paludisme. C'est une proposition vraie, c'est pas faux. C'est une erreur de frappe. Le microbe responsable du paludisme est le plasmocyte. Nous disons que c'est une proposition fausse. C'est pas le plasmocyte, mais c'est le plasmodium. Nous passons à la définition des termes. On nous demande d'associer une définition à un des mots suivants. On a agent pathogène, nous avons hôte, nous avons agent vecteur, nous avons épidémie, nous avons endémie, anophèle femelle. Première définition, réservoir naturel d'un microbe. Réservoir naturel d'un microbe, c'est un hôte. Deuxième définition, maladie qui sévit de manière permanente dans une région, c'est une endémie. Troisième proposition, microbe responsable d'une maladie, c'est un agent pathogène. Quatrième proposition, organisme vivant capable de transmettre le germe d'un individu à un autre, c'est un agent vecteur. Et cinquième, maladie contagieuse qui se propage rapidement dans une population à une période donnée, c'est une épidémie. Voilà les réponses qui sont marquées en rouge. Question à choix multiple. Pour chaque proposition, choisis la bonne réponse. Le germe responsable du paludisme est, bien évidemment, le plasmodium. Ensuite, deuxième QCM, le vecteur du paludisme se nourrit de quoi? Du sang, du jus de viande, du jus des fruits ou bien du sucre des fleurs? C'est du sang. La nouvelle femelle se nourrit uniquement de sang. Concernant le paludisme, la contamination se fait petit a en suçant les membres, petit b en se baignant dans une eau infestée de moustiques, par la pupille de la nouvelle femelle ou alors par contact direct avec un malade. Nous disons que c'est la proposition C, par la pupille de la nouvelle femelle. Nous revenons donc à notre situation problème afin de vérifier nos différentes hypothèses. Il s'agissait, n'est-ce pas, de cette conversation que Echo et OB ont eu sur le chemin de l'école. Et Echo estimait que sa famille était malade à cause des membres qu'ils ont trop sucés. Ça a laissé Echo perplexe et il veut bien connaître quelles sont les causes du paludisme et quelles sont ses manifestations. La première hypothèse disait que lorsqu'on suce beaucoup de membres, ça donne la fièvre et c'est un signe qu'on est atteint du paludisme. Nous disons que c'est une hypothèse rejetée. Le fait de sucer les membres ne donne pas le paludisme, qui est causé par un microbe qu'on appelle plasmodium, qui ne se retrouve d'ailleurs pas dans les membres.
Deuxième hypothèse, c'est la piqûre du moustique qui cause le paludisme et se manifeste, cela se manifeste donc par la fièvre, les maux de tête et en vomi. C'est une hypothèse acceptée. Le plasmodium est en effet responsable du paludisme. Il se transmet effectivement par la piqûre de la nouvelle femelle qui est un moustique hématophage, c'est-à-dire qui se nourrit du sang. Nous vous proposons donc ces quelques exercices pour vous aider, n'est-ce pas, à vous entraîner à la maison. Exercice 1. Ce rôle, votre camarade ne se sent pas bien. Il éprouve des douleurs à se lever, il a mal au dos, des maux de tête, il a froid et frisson. Ses dents claquent, pourtant il a bizarrement aussi la fièvre. Conduit à l'infirmerie de l'école, l'infirmier déclare qu'il est atteint du paludisme. Belève dans le texte ci-dessus les mots ou les expressions qui correspondent aux manifestations du paludisme. Exercice 2. Votre père a des accès fébriles intermittents. L'analyse de son sang montre une diminution sensible du nombre de globules rouges et la présence dans quelques-uns de plasmodium. Première question, nommez la maladie dont souffre votre père. Deuxième question, expliquez pourquoi votre père est anémié. Exercice 3, soit le document suivant représentant la feuille de température d'un malade atteint du paludisme. Dans le document en visuel, décrit la variation de température lors du paludisme. Explique cette variation et qualifie ainsi la fièvre paludique. Nous voici donc au terme de notre leçon de ce jour. La prochaine séance aura pour titre le paludisme, deuxième partie.